Bonjour à tous, on se retrouve pour ce sixième épisode du Let's Play de Gears Tactics. Alors on s'était arrêté après deux missions rondement menées, sans perte et sans fracas. Où on avait vu que notre sniper était en fait aveugle. Ce qui complique beaucoup son travail de sniper et du coup elle tire à 15 mètres maximum. Ensuite, on va partir pour la prochaine mission. Qui sera donc l'éclatement du faucon, puisque la récompense est une armure épique, et que c'est quand même vachement plus intéressant qu'une modification d'arme. Donc il va falloir terminer la mission en 15 tours maximum, ce qui est rarement une grande réussite. Et donc on a une escouade maximum de une personne. Ce qui va quand même énormément réduire l'aspect stratégique du jeu. Reste à savoir quelle personne on va prendre. Donc on n'a pas le droit de prendre Gued Diaz, c'est vraiment vraiment dommage, il est tellement efficace sur le champ de bataille, j'aurais bien aimé pouvoir l'embarquer. Mais on va plutôt prendre quelqu'un de réellement efficace. Alors on prend soit Marcella, soit... Ah, on peut pas prendre Bobby Scott non plus là. Bon, on le prendra pour la prochaine mission. Et on va y aller avec, avec Tyrone, dit le Predator. Allez, c'est parti. Bah tout ça c'est très bien. Allez. Il semblerait que des soldats soient tombés aux mains des locustes. Libérez-les des causes de torture et aidez-les à se venger au passage. Ah bon, on va récupérer les soldats a priori. Tout cool. Allez, 15 tours maximum, on va essayer de le faire... cette fois-ci l'objectif facultatif. Bon, déjà j'avais une caisse bleue. Alors on a deux snipers ici. Un prisonnier ici. Et nous on est là. Ok, donc là il y a une caisse bleue qu'on va aller chercher tout de suite. Ensuite il faudra qu'on monte ici. Et ensuite on ira chercher celle-là. Secourir le prisonnier. Il n'y en a qu'un. Moi j'en vois deux, hein. Il y a une caisse bleue ici aussi. Eh ben... Il y a une caisse bleue ici. Oh, il y en a partout en fait. On va déjà aller secourir le prisonnier et puis on verra pour la suite de la quête. Allez. Je me positionne. Positionne-toi, ma petite belette. Ah bah bien, ça commence très très bien, tiens. C'est parti. Donc évidemment j'ai pris un mec qui avait pas de soin parce que je... Parce que au niveau stratégique, je suis très très fort. Donc en fait, il va rapidement mourir. J'avais pas pensé à ça. 24%, c'est un peu super nul, on est d'accord. Alors je crois qu'il a pas la vision ici, donc on va avancer un peu. Ah si, il a la vision. Bon, alors on va le cacher. Puis on va commencer à tirer sur les méchants. 10%, c'est pas terrible. Alors on va envoyer une grenade. Allez. Gare à l'explosion. L'arme éliminée. Ça c'est fait. Il lui reste un PA. On va le mettre en vigilance. Même si je pense que il n'avancera pas. Zone d'exécution établie. Ah ouais, super. Encore un misclic, j'ai mis ma vigilance n'importe où. Bon, il va falloir trouver du renfort parce que sinon on ne survivra pas. Allez, on va aller le mettre ici. Aucun problème. Vu que sa vigilance elle est toute nulle. Ok. Cassez-vous, on a de la visite. Bon, bah là il va prendre un tir hein, de toute façon. C'est pas très grave. Voilà, il y aurait 59 points de vie, tout va bien. On va le laisser mourir, c'est rien d'aller le tuer. On va plutôt aller par là. Bon, quelque chose m'a dit que cette mission va être compliquée à finir. J'ai pas de soins. Donc à moins que lui ce soit un soigneur. Et même comme ça, je vois pas trop comment je vais m'en sortir. C'est à nous de jouer. 72%, allez on prend. Ah bah non, on est dans la zone de vigilance. C'est un miracle. C'est un miracle.
Il lui reste 36 points de vie sur les 500 et quelques qu'il a de base. Je laisserai rien passer. Tout va bien. Attention, ils arrivent. Il a raté. Ennemi à terre. Il a beaucoup beaucoup de chance. Bon, il a combien là? Il a pas la vision. Bon, ça m'embête. On va essayer de contourner par là. J'y vais. Parce que j'aimerais bien qu'on réussisse quand même en 10 tours, donc... C'est parti. C'est mal embarqué. Ça crève. Ok, donc l'autre il est mort. Toi, tu viens te mettre ici. Sur un couvert plein. Et là, normalement, on va avoir une bonne vision. Allez. Mais bien joué, si lui aussi se met à tirer n'importe comment, ça va pas le faire. Hein. Ils se mettent en place. Et du coup, il est pas mort. Et il va se cacher. Pas de temps à perdre. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec l'ancrage? J'ai quand même assez de... Ah, je le vois même pas, en fait. C'est combien? C'est 2 pour venir ici? Bon, bah allez, hein. On va prendre ce risque. Allez. Très bien. Je t'ai eu. Il l'a eu. On va bien se marrer. Bon bah j'espère que la recrue que je vais avoir va faire le boulot toute seule parce que... lui je vais arrêter de le bouger sinon il va mourir. Paquet sécurisé. À nous de jouer. Allez. On va libérer... l'otage. Oh, il plaît déjà, lui. Ils ont quand même tous des têtes improbables. Alors, c'est un... Merci. C'est pas du tout un soigneur. Parfait. Juste ce qu'il me fallait. Donc, du coup, on a dit qu'on allait récupérer cette caisse-là. Voilà, celle-là, tant pis. Hein. On va pas toutes les prendre, sinon on finira jamais. Secourir le prisonnier en 6 tours. Il faut bien que je... faut secourir tous les prisonniers, quoi. Il y avait marqué 1, mais... c'est juste parce qu'ils ont traduit ça avec les mollets, quoi. Ah, puis il a un point de mouvement, super. Très bien. Allez, on y va. Allez-y. Ouais, pas le plus loin possible, de toute façon, il n'y a pas de méchant dans le coin. Placez-vous, on a de la visite. Ah, chouette. Trop bien. Alors, on n'oublie pas que lui, s'il prend une claque, il est mort. Donc, quitte à pas faire l'objectif facultatif, zone on va quand même éviter établie. Qu'il meure. Hein, parce que j'y tiens un peu, il est efficace. Donc, lui, si je le mets là, il y a 90% de chances qu'il se prenne une balle Entendu. Par son copain. On est d'accord. Amenez-vous, on verra je bien. Vous ennemi à terre. Quelle efficacité. On est ensemble, putain. Oh, il a mis une petite balle, c'est pas très grave. Il va prendre une tatane, voilà. Je suis dans ses griffes. On va leur botter le cul. Qui c'est qui finira pas la mission? C'est moi. Ok, ça c'est fait. Joli. J'écoute. Ah, j'ai vraiment pas pris un mec qui reprend des points de vie, quoi. C'est pas très bon, ça. Je me mets en position. J'ai aucune envie qu'il meure, Tyrone. C'est un peu mon personnage préféré de l'équipe, donc... S'il meurt, je vais être très très déçu. Bon, tant pis pour la caisse, on va essayer d'aller sauver lui rapidement. 3 tours. Logiquement, c'est jouable. On envoie lui devant, parce que lui, on s'en fout, même s'il meurt. C'est pas mon copain. Allez, allez. Faites gaffe! Activité locuste! Non, sans deck, il y a des locustes dans le coin. Tu peux aller jusqu'où là? Jusque là, c'est nul. Allez. Si je le mets là, il y a les moyens qu'il le fasse en un tour le coup d'après. Je on va le mettre à découvert, tant pis. On va bien voir ce que ça donne. Allez-y. Lui par contre, c'est notre chouchou, donc on va le cacher quand même. En même temps, je le cache, mais je sais pas où sont les ennemis, donc. Comme ça, c'est une exécution établie.
Les larves sont en mouvement. Ok, bon, bah je crois que c'est la fin pour Tyrone. Non, c'est bon, c'est lui qui prend. Non, t'es pas obligé de tirer, toi. Non, non, tire pas, tire pas, tire pas. On est les seuls à pouvoir les sauver. Il a pas tiré. Donc là, on va faire la technique du corbeau malgache. On va se mettre ici. On va prendre une grenade. Et on va leur défoncer la tête. Gare à l'explosion. Alors, c'est pas belle la vie. On aurait dit que c'était fait exprès. Allez, lui c'est un soigneur, je le sens. Voilà, une bonne tête de soigneur. Il a des gourdes de whisky. C'est bon, c'est un soigneur. Quelle belle caméra qui me montre un toit. Terminer la mission en un tour maximum. Ah non, il fallait en 15 tours, il fallait que je fasse les deux. Non, mais c'est bon. J'aurais été les conneries un peu. Bon, en effet, c'est un soigneur. Alors, désolé, poteau, mais il va les soigner. J'y vais. Il va les soigner le mec important de l'équipe. Et toi, tu vas te mettre ici aussi. Non, t'as plus de. T'as un mouvement. Bah, mets-toi là. Mets-toi là. Allez. Se mettre en place. Y'a pas de méchant. Y'a pas de méchant, j'ai dit. C'est notre cible. Bon, un seul méchant, ça va. Donc s'il est costaud. Un deuxième méchant. Bon. Quatre méchants. Neuf méchants, ça commence à être pas mal, hein. On est d'accord. Alors, on va bien se couvrir. On va le mettre ici, pas trop loin. Le tir soit bon. Lui, il va tirer sur Stark là. Ok. Lui, il va soigner ce petit bonhomme. Soigne-toi. Soigne-toi. Il va le re-soigner, parce que c'est un mec bien. Tiens, soigne-toi. Il est pas super efficace dans le soin quand même, on est d'accord. Hein. Soigne la cible alliée à hauteur de 100 points et pendant 3 tours. C'est très bien ça. Allez, sauve-lui la vie là. Ah mais toutes les unités doivent survivre. Ah ouais, donc il va falloir que je soigne Bobby Joe aussi. Je donne l'assaut. Ah, vous passerez pas les mecs. On l'appelle Gandalf. Hein. À nous. Gandalf le terroriste. Bon, il n'y a plus de soins. Et lui, il a vraiment pas les masses de points de vie. Après, il a une dissimulation. Donc, ça pourrait toujours faire le café. Par contre, il lui reste une grenade. On va l'utiliser. Donc, on va aller là pour un point. Donc, il y a le gros bourrin qui doit être par là aussi. Hein. Il avance un peu moins vite. Donc, ah non, il est là. Ah oui, il avance vite quand même. Alors, déjà, la grenade. 3, 4 ou pas? 4, allez. Grenade lancée! 4, c'est cible bien. Abattue. Ensuite, j'attends les ordres. Lui doit être bien ancré là. Donc normalement, il doit avoir des bons tirs. 30%. Donc on va le remettre en vigilance. Pour empêcher l'autre de mourir. Allez. Je laisserai rien passer. Lui, il lui reste un point d'action. Il va tirer, lui. Hein. Est-ce qu'il peut remonter pour un point d'action? Non, il peut pas remonter. Hein. Bah, ouais. C'est plus facile de descendre que de monter. La question, c'est est-ce que je le camoufle maintenant ou est-ce que je le camoufle plus tard? On va poser une grenade. Comment ça marche? J'en ai aucune idée. Donc il a posé une grenade sur lui, mais il faut qu'il s'en aille maintenant. Bon, non, il s'en va pas. Donc lui, il a pas la vision. Super. S'il a la vision juste là. Allez. J'analyse la zone. Normalement, ça passe pas. En espérant que le gros. Ah ouais.
Ah, il a pété avec sa propre grenade. Un classique. Encore un. Ne tire pas. Ok, il est pas mort. C'est pas trop tôt. Bon, on va pas le raise maintenant. On va s'occuper du gros. Non, s'il faut aller le raise. Alors, il peut y aller lui ? Oui, il peut y aller. Le problème, c'est qu'il va se relever avec 0 PA, je pense. Vu qu'ils avaient tous utilisé. Unité lourde présente. Non, il en a 3, ok. J'écoute. T'écoutes ? Alors écoute bien ce que je vais te dire. Tu vas ici. Ici. Une larve en moins. Tu vas ici. Tu lui mets ton plus gros coup de fusil à pompe dans la tête. Voilà. Et tu te camoufles. Ok. Toi, tu vas me faire un tir de vigilance. Ici. Pour pas toucher ton pote. Je m'en occupe. Et tu vas m'achever ce gros machin. Allez, j'y crois. Je donne l'assaut. Une, deux. Alors, ouais, oui, facile, facile. Il est trop facile ce jeu. Ce jeu est beaucoup trop simple. Est-ce que t'as récupéré ? Oui, t'as récupéré de quoi donner des points de vie. En même temps, tout le monde est à fond, pas de soucis. Bon, alors on n'a pas réussi la mission secondaire, donc autant prendre notre temps. Unité lourde présente. Tu vas me chercher cette caisse. Faisons des groupes de 1, c'est une bonne tactique ça. Les groupes de 1, ça marche toujours. On passe sous le pont là, non, on passe pas sous le pont. Bah ouais, c'est un pont. Compris. C'est un pont qui est un peu obstrué. Allez-y. Il y a pas une autre caisse par là que j'aurais raté? Non, a priori non. Eh bien toi, tu vas aller chercher la caisse qui est là-bas, donc tu vas aller te cacher ici, parce qu'il y a forcément d'autres méchants qui vont arriver. Hein. On commence à connaître l'astuce. C'est notre cible. Toi, tu vas le suivre parce que tu es son copain. Comment il s'appelle ? Libellule. Rory Macmillan Libellule. Ok, Libellule. En surveillance. Alors j'espère qu'ils vont pas arriver de l'autre côté, les monstres. Sinon, non, ils arrivent là, ça va. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Mon seul mec efficace, il est à l'autre bout de la carte. Je me mets en position. Mais quand il va arriver, ça va faire mal. Erreur présent. Qu'est-ce qu'on fait ? Hein ? Non plus, quand il tire sur une cible blessée, il peut avoir le 100% chance de coup critique. Donc on va pas hésiter une seconde. On va le blesser. À 85%. Et il fait un critique en plus. Oh bah là. Si la vie est pas magnifique. Alors on va peut-être même tenter un deuxième tir et un troisième, on l'achève ou pas? Combien de points de vie là? Là à l'heure actuelle il a 612 points de vie. Là je fais 294 points de dégâts. C'est-à-dire si je le touche deux fois, ça suffit pas. Ça suffit pas. Eh ouais, ça suffit pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que c'est lui qui va tirer, tant pis. Une balle. Toi, tu le finis. Non. Non, non. 1, 2, 3. Ouais, on va faire ça. Toi, tu le finis, tu le tues pas. Tu le mets au sol. Oh. Éliminé. Point faible, trop fort, quoi. Allez, cache-toi, Bobby. J'écoute. Bah, écoute bien. Fais une vigilance ici. Je laisserai rien passer. Bah j'engage, je fais que ça. Et c'est eux qui fuient, t'as vu? C'est des lâches, les Locustes. On va se marrer. Allez, il est bientôt là, lui. Compris. En attente. M'énerve ce Locus tout seul là.
avec sa vigilance en plus. Et je l'ai à combien le tir là? 58. Bon, on essaye hein. Voilà. Éliminé. Toi, tu vas prendre la caisse. J'y vais. Voilà de quoi tenir le coup. Je vois pas comment on peut faire cette mission en moins de 15 tours, sérieusement. Attention, ils arrivent. Rien du tout qui arrive là, c'est bon. Oh, il est trop court encore. Allez, cours, Bobby. Ok. 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 Bon, on va vous mettre en vigilance au cas où. En surveillance. Ouais, en surveillance, si tu veux. Mais qui joue sur les mots, il commence déjà à m'agacer, quoi. Pourtant, c'est le bord de la map, là, donc il peut rien avoir. Donc, on va le mettre ici. Je sécurise le périmètre. Ah bah, bonne pioche. Surprise. Tu cries surprise, hein? Bah, eux, ils ont pas l'air super surpris. Allez, on fuit comme des lâches. Technique de locuste. Mission accomplie. Donc on a gagné Libellule et Harpon si on peut les recruter, mais je pense qu'on n'a pas de place dans la team. On a 3 caisses rares, plus celle-là qu'on a perdue. Ah. Jambière de destruction épique, 32 santé, compétence à passive, Mastoc. Je ne sais plus ce que c'est Mastoc, donc on va regarder ça. Allez. Succès, l'union fait la force, vous avez terminé une mission secondaire de sauvetage. Bah, facile en même temps, on n'a même pas frôlé la mort du tout. Alors, on va déjà ouvrir nos lootbox. Modif de destructeur, plus 5 de précision, c'est nul. Non, c'est pas vrai, c'est bien. Sulfator, plus 30 de dégâts, ça c'est bien. Retrolanzor, plus 30 de dégâts, ça c'est bien aussi. Ok. La précision qu'on a trouvée, on va la donner à qui? Lui, parce qu'il tire toujours comme un pied. Mais je crois qu'il l'a déjà. Ah lui c'est pour les bots. Non les bots c'était Mastoc le truc. Ça fait quoi Mastoc? Cette unité gagne 15% de réduction de dégâts. Ouais non c'est clairement pas pour toi. C'est pour un mec qui prend souvent des dégâts. Tout le monde prend souvent des dégâts. Donc on va les donner à Crit parce qu'on va jouer avec lui. Ah il avait déjà la compétence max. Ouais mais celles-là sont mieux. Allez parce qu'elles sont épiques. Bah ouais. Bah ouais quand même. Il a l'air quand même plus protégé avec ça. Qu'avec son legging quoi, d'accord. Ensuite. Marcella, qu'est-ce qu'elle a comme bot? Elle a pas de bot Marcella? Mais des bots Marcella enfin. Regarde, on a des belles bottes pour toi. En plus c'est. Ah c'est dommage, elles sont jolies les siennes quand même. Mais Marcella elle s'en fout. Elle veut survivre. Ok. Donc pour le viseur, on va quand même lui mettre les 5% de précision, hein. C'est toujours ça de prix, même si elle tire quasiment toujours au contact. Tyrone est déjà pas mal équipé, mais Glenn aussi je crois. Il a déjà 15 de dégâts, donc ça on va le donner à Tyrone, parce que de toute façon Tyrone c'est le meilleur. C'est le meilleur. Allez. Et Sid. Ça, ça lui donne vélocité, 5% de chance de regagner un PA quand il effectue un tir, et qui se déclenche une seule fois par tour. 5% c'est pas dingue, 32 dégâts, je prends, parce que ça c'est toujours actif quoi. Ok, et ben voilà une mission rondement menée. On va enchaîner. Acte 1, chapitre 6. Dans la gueule du loup. La deuxième piste de Mikaela sur Ukon envoie le convoi vers la ville de Claiborne, actuellement infestée de locustes. Attendez-vous au pire. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'objectif facultatif, donc ce coup-ci, on pourra pas le rater. Et donc il faut prendre Gabdia, Sid Redburn, Mikaela, et donc le quatrième, on l'a promis, ce sera le héros de la nation. Ça sera pas toi, malheureusement. Je suis désolé. Ça sera... Bon Jovi. Allez, c'est parti.
Ouais, ça va saigner, là. La nouvelle piste de Michaela a l'air bonne. On a une grosse activité locus dans la ville de Cléborne. Comme annoncé. Oukon est là. Il faut qu'on se tienne prêt. Oukon est là. Ah, ils sont à plus de 15 mètres. Quel dommage. Tant mieux. Il est pas loin. Un des potes d'Oukon. Ok. Écoutez, ce pont, c'est notre accès. Y a pas de pluie. Pas de mauvaise surprise. Avec sa petite mèche blanche, je me demande si c'est pas le fils d'Edouard Philippe, Gabe Diaz. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Bon. Eh ben, au moins, on l'entendra venir. Ça sent le boss, en fait, non? Ça sent le boss. Un truc qui fait du bruit comme ça. Je l'aime trop, il est trop beau. Alors, 1, 2, 3, 4. Les larves se sont installées sur ce pont. Il va falloir se battre pour le traverser. Bon, c'est pas nouveau. Caisse, le plus dur, ce sera de trouver Oukon une fois sur place. Avec le bordel que ça va faire, une caisse. C'est peut-être lui qui va nous trouver. C'est interminable comme pont. Et donc, faut aller là-bas. Donc la stratégie, je pense que ça va être d'aller tout droit et de tuer les gens. Jusque-là, ça devrait être jouable. Alors, prête. Je pense qu'ils sont à moins de 15 mètres. Je suis pas sûr. Ah bah c'est pas mal ça. Bon. On les tuera pas tous du premier coup, donc on va quand même je bouge. Les abriter. Allez, prendre un bon shoot. Ok, bah ce sera lui, hein. Ça c'est bien, Michaela. Un deuxième. Presque plus de balles. Si t'avais pu mettre un critique, ça m'aurait arrangé quand même. Donc lui, c'est un assaut lourd. Donc il faut qu'il s'ancre. Donc, on le met là et on commence à sulfater. C'est pas du tout un assaut lourd, en fait. C'est un quoi, lui? Ah, mais c'est un soigneur, lui. Ah, on a deux nuls dans l'équipe, en fait. C'est parti. Lui non plus, il fait pas de dégâts, quoi. Bon, alors la team pas de dégâts, on va la mettre là. À deux, ils vont bien réussir à tuer un locust. Ah, on a tué le mec de derrière. Bien joué. Une balle de mort. Félicitations. Toi, tu vas te mettre ici. Ouais, j'avance. Le chemin se divise. Couverture au milieu, position de flanc de chaque côté. Faites votre choix. Ok, à vous, messieurs les locustes. Voilà pour prendre le thé. Aïe, aïe. Lui, on s'en fout, il se régénère tout le temps, de toute façon. Ok, eux, ils sont chiants. Bon, alors lui, il est pas dans la vigilance déjà, donc c'est lui qui va faire le taf. On va arrêter la tir incapacitant de celui-ci. Parfait. Tu vas maintenant... enlever tir incapacitant de celui-ci. Quoique on pourrait le tuer en fait. Je pense qu'on va le tuer. Elle, sa dernière balle, elle fait 30% de dégâts en plus. J'écoute. Et c'est pas à la recharger avec sa compétence. Bon, c'est pas grave. Pour le coup, mets celui-là au sol. C'est mes dernières munitions. Je te déteste. J'ai voilà, c'est mieux. Toi, mets celui-là au sol. Parfait. Ouais. Toi, il te reste combien de PA? 2. Toi, ouais, plutôt. Ouais. Toi, tu vas faire ça. Voilà. La fête est finie, enfoiré. Ensuite, tu vas faire retourne ça. Dans ton trou. Faudra se refaire ça à l'occasion. Et est-ce que tu peux faire ça? Mais oui, elle est pas belle la vie. C'était trop facile.
Bah, en même temps, t'achètes des cadavres au sol, mec. On va pas te la raconter, s'il te plaît. Ici. Toi, tu recharges. Je recharge. C'est nul. Ah, mais c'est vrai que eux, ils ont une. Maintenant ils ont une esquive naturelle. Bon, 4 points d'action sur chaque bonhomme, normalement. Ça devrait commencer à le faire. Hein. Je crois en toi, Gabe. Je crois en toi, tu vas réussir à tuer quelqu'un un jour. J'en suis persuadé. Voilà. Je me suis même pas échauffé. Ah, bah ça se voit que t'es pas échauffé, mec. Ah, ça va mieux. Alors, on va faire toute l'aventure avec ce bras cassé, sérieusement. 86. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il faut 2 coups pour les tuer, quoi. 36, ça sert à rien. Ouais. Bien reçu. Il a plus de PA, lui, hein. Ouais, c'est dommage, j'aurais bien fait tuer quelqu'un. C'est pas grave. Ok. On gâche pas de munitions de fusil comme ça. Soin reçu, parfait. Parce que lui, il a la même compétence que Gabe, il soigne des gens quand il tue des gens. Ça serait bien s'il tuait des gens plus souvent, mais... Donc il a dit le chemin se sépare en deux, mais... il se sépare rien du tout le chemin, il va tout droit. Allez. Je vois. En fait, les héros ont un seul caractère, c'est les troupes qui sont cool. Déjà, elles sont plus jolies. Bon, allez, mets une vigilance. Ah, mais y'a un mec là-bas en plus. Ah, très bien. Je m'en occupe. Parce qu'il va se prendre une balle, puisqu'il est à moins de 15 mètres. Je vais vous pourrir votre journée. Je te hais. C'est à cause de toi qu'il perd des points de vie. C'est que t'es nul. Pas de temps à perdre. Ok, elle a fait un auto-rechargement. Donc c'est encore sa première balle. Mais on va pas utiliser le fusil, attention, le fusil de précision. Sur la plateforme. On va lui péter sa vigilance. T'as eu chaud. Hein. Ouais. Si tu l'avais raté, je te jure, je te laissais là. Oui. Lui, on va faire bourriner un peu pour qu'il aille le plus loin possible. Ils sont où les autres drones? Ils ont dit attention à les autres drones, mais enfin les autres locusts, mais il y en a pas. Allez, viens ici. Il se rend compte, lui, que personne n'est efficace sauf lui, en fait. C'est pas du tout risqué, ce que je fais avec lui. Pas du tout. Je sais très bien ce que je fais. Parce que je vais activer... je vais rien activer du tout, je vais lui tirer dessus. Mon flingue doit déconner. Ça, je les déteste tous. Entendu. Je les déteste tous. Allez. Ça fait plaisir à voir, ça. Ça au moins tu le rates pas, tu peux pas le rater. Ah, je l'avais pas vu. Mais y'a que lui qui prend, quoi. Il va se mettre en vigilance. Non, il tire. Aïe. Détends-toi, détends-toi. T'énerve pas, bonhomme. Qu'est-ce que... Calme-toi. Faut pas t'énerver comme ça. Allez, on s'active. Ok. Donc ça, c'est des vigilances de snipe, je pense. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi ces symboles à côté, là? Y'a rien qui me dit ce que c'est. C'est pas très cool. Non, ça paraît pas là. Bon. Donc lui, il est pas dans les vigilances, déjà. Donc lui, il peut faire des trucs avec sa précision légendaire. Il peut, par exemple, passer son tour. Des idées ? Elle, par contre, elle peut peut-être envoyer une grenade. Mais non, parce qu'elle a pas la force de l'envoyer là-bas. Lui, j'ai peur qu'il prenne vraiment très cher s'il fait quelque chose avec le sniper, là. En fait, le trait me fait peur. Je sais pas ce que c'est. Mais ce trait me fait peur. Soutien présent. Il faut affronter ses peurs dans la vie. Ah, mais il a des grenades de merde lui aussi. J'avais oublié. Bon, il a combien au tir? 70. Ce qui est bien, mais pas top. Lui, le tir de... On l'a déjà utilisé? Non, on l'a pas utilisé. Ok. J'ai envie de le faire sur le sniper plutôt, mais 55, c'est pas ouf.
56, c'est pas mieux en même temps. Bon, allez, je prends le 55. Et là, il va me faire mentir, il va cartonner. Il est détestable. Je vous l'ai dit qu'il était détestable ou pas? Donc lui est toujours en vigilance. Donc ça va être notre cible prioritaire. 70, je prends. Il va me tirer dessus, c'est pas très grave. Ok, 70, je reprends. Il est au sol, c'est parfait, comme ça lui il est libre de ses actions. On va recharger. Donc lui qui est libre de ses actions, il va... Il va me dessouder ce machin là. Est-ce que je peux aller ici? Ah, ça me coûte 3. 3 c'est trop. À moins que... Lui, est-ce qu'il peut aller achever? Il peut pas du tout aller l'achever en fait, c'est beaucoup trop loin. Donc on va compter sur notre petit sniper, parce qu'elle va se prendre une balle sinon. Et qu'elle, elle a pas beaucoup de points de vie. Non, si elle en a plein, elle peut prendre une balle, c'est pas très grave. Bon, alors on va faire la technique... technique spéciale. Ouais, ouais, j'avance. On le met ici. On fait une intimidation. C'est votre dernière chance, Lénard. Voilà, comme ça, on lui a dit que c'était sa dernière chance, il a pas osé le faire. Comme ça, elle est tranquille. 62, et... Ah, il a plus de 15 mètres. Zut. C'est vraiment dommage. Ça devrait aller mieux, là. 32% de chance. Ok, je te les teste. Encore plus. 32, sérieux, quoi. 32% de chance. J'avance. C'est nul. Mais c'est pas tiré, en fait. Allez, je le prends. On verra bien. Voilà, ça servait à rien. C'était sûr. Toi. Toi, tu vas te mettre là. Non. Tu vas venir ici. Ok, ils arrivent. Allez, remets-toi en vigilance, s'il te plaît. Aïe, ton truc spécial, là. Je sais pas ce que c'est. Aïe! On va leur montrer. Oh, si vous me tuez... Mon personnage préféré, ça va pas le faire du tout. Donc toi, ouais, on va te calmer à l'ancienne. Je vais faire une ligne droite ou pas, là? Si je le mets là, ça fait une ligne droite, ça. Je Allez. Bouge. Je vais pas m'embêter avec un petit sniper pacotille comme toi. C'est bon, t'es prêt. Voilà. Je te dépose. Menace éliminée. Ouais. Ouais. Son hérotin là. Son hérotin, mais elle prend des tirs tout pété quoi. J'y vais. Et celui-là, si tu le rates, je te jure, ça va pas le faire. C'est bon. Écoute. Toi. Oh, faut faire le grand tour pour y aller là. Parce qu'il va mourir avant lui. 13 des points d'action, toi. 1, c'est pas assez, 1. Non, c'est pas assez, 1. Tant pis. Je suis Et prêt. Toi, tu peux pas y aller non plus, faut que tu fasses tout le tour. Ok. Donc toi déjà, tu vas soigner ton copain, s'il te plaît. Ça va lui faire 200 points de vie en plus. Ah, j'en avais besoin. Ensuite, tu vas faire ce que tu sais faire le mieux, tu vas soigner ton copain. Non, tu vas soigner plusieurs copains. Ok. Toi, tu viens ici. Très bien. Voilà, maintenant que les blessés sont au même endroit. Tu vas pouvoir leur envoyer une grenade qui soigne. Allez. Tiens, voilà un spray. Grenade qui soigne, ouais. Parfait. Toi, tu vas te mettre ici. Ramenez-vous les affreux.
Laissez pas ces rebuts nous déborder. Ok, des rebuts. Il n'y en a pas beaucoup, ça va aller. Regardez surtout pas sur le côté. Il y a beaucoup d'eau. Et une énorme falaise. Vous expliquez pourquoi il y a de l'eau que d'un côté? Là, il y a de l'eau. Ah, ça fait une chute d'eau en fait. Ok. C'est intéressant. Tu peux toujours pas aller l'achever là? Si, tu peux. Vu que tu sais pas tirer, tu peux au moins faire ça. Une ordure en moi. Tout fier parce qu'il a tué quelqu'un qui était déjà mort. Ok, 4 PA c'est bien, mais c'est pas assez de munitions pour charger. Ils vont monter par ici ou par là. Donc on va se mettre sur eux directement, on va pas s'embêter, sauf que là il y a un mur, ça m'embête, donc on va viser ceux-là plutôt. Je monte la garde. Ok. Elle est énervante, mais c'est incroyable. Ton pote il dit qu'il monte la garde, il dit qu'il te rend service, toi tu fais ok, super. Bon, au moins tu te m'attires correctement. Toi ou moi. C'est plutôt pas mal. C'est mes dernières munitions. Oh, elle enchaîne. Allez. T'as le tir chaud là. Même moi je l'ai senti passer. Oh. Bon, allez. Je suis votre pire cauchemar. Tu te fais pardonner, c'est bien. La larve va morfler. En hop. Surveillance. Normalement ça va être bon. J'ai pas l'impression que les larves soient là pour prendre le thé. Et toi, je réfléchirai à deux. Au suivant. Je suis presque à sec. C'est très parti. Bien. Ça s'est pas trop mal passé c'est jusqu'à parti. Maintenant. 3 munitions sur 4, ça sert à rien de recharger pour l'instant. Toi on va t'emmener ici. Ok. Au rapport. Au rapport, mon colonel. Il y a des gens là-dessus. Hein. On va pas mettre la vision trop loin pour l'instant. On va essayer de pas les dévoiler. Prêt. Allez. Et donc elle, qui s'est quand même révélée sur le tard, mais qui s'est révélée de manière très efficace, elle peut se mettre plus loin parce qu'elle a une portée de dingue de 15 mètres. D'ailleurs, on peut lui faire recharger son arme. Pour qu'elle puisse tirer à 15 mètres. Qui c'est qui fait la pas? C'est toi. Ah non, il a plus. Ah oui, c'est la fin du tour en fait. Amenez-vous, je vous attends. Les locustes s'activent. Ah, pas de chance. C'est pas ton jour de chance. Je suis en harmonie avec Sid. Bon, là ça bouge, hein. Ça bouge, hein. 1, 2. 2, c'est tout. 3. Et donc 4 avec celui-là. Ok. Rien de très compliqué. Ouais. Surtout que elle a la main chaude là. Lui, sa vigilance, elle est embêtante, je trouve. Donc on va pas hésiter une seconde. On va lui enlever. Parfait. Comme ça, elle. Ah, c'est. Ah, elle peut pas passer. Elle saute pas. Elle saute. Tu sautes pas ici, là? Feignante. Ok. 87. Ça coûte 1 PA pour activer, en fait. Et là, il reste 1 PA, c'est dommage. Ouh! Salut! Aïe 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 aïe! Mais qu'est-ce qu'elle est efficace? 66, on prend. Bien joué. Avoir besoin de recharger. Impeccable. Merci. De toute façon, lui, il couvre vos arrières. Enfin, il les couvre vraiment, n'ayez pas peur. Ok. Lui, est-ce qu'il peut aller? Ah, il en a un ici quand même. Oh, ils sont deux. De toute façon, il peut pas y aller. Donc, c'est vite vu.
On se met un Overwatch ici. Je monte la garde. Lui, il recharge forcément. Recharge, couvrez-moi. Défendez la position maintenant. Bah, c'est ce qu'on fait, hein. Parce que quand ils te le disent, tu fais ouais. Ah, raté. Tant pis. Sale petite merde. Oh, en même temps, si tu lui parles comme ça, forcément. C'est pas rien de personnel, c'est la guerre. Ok, un drone bien ennuyeux. Ouf. C'est quoi ça? Ah mais eux ils ont pas une portée de 15 mètres quoi. Ok. On joue pas dans la même catégorie quoi. Bon bah c'est un peu agaçant. Donc, toi, tu vas te mettre ici. Entendu. Et tu vas faire un gros critique. Baissez la tête! Il y a un sniper sur ce perchoir! 60% de chance de critique. Hé hé. Alors. Toujours pas, hein. Ok. Bon. T'as vraiment envie que je me merde, là. Allez, il faut qu'on lui sauve la vie, on n'a pas le choix, de toute façon. Joli coup. Aïe, aïe, aïe. Je vais être obligé de gaspiller une grenade pour un mec. Et hop, ça passera pas. Ça ne passera pas. Faut que je trouve une solution. Merde, je me vide de mon sang. Il reste 2 P1. Là, je le sors de son trou. Je mets lui devant elle pour que le petit frappe lui. Ok, je vais faire ça. Allez. Je suis d'une humeur massacrante. Je vais mettre plus safe, je vais la raise en fait. Parce que sinon, je vais me faire... Voilà. Je vais me faire avoir. J'y vais. Et j'ai quand même mettre site devant. Belle intervention. J'aurais pas dû faire toute intimidation, elle a servi à rien. Elle, c'est un tir, un mort. Ça me va très bien. C'est mes dernières munitions. J'ai pris un tir, je sais même pas combien il était, quoi. Allez, c'est pas grave. Les locustes s'activent. Allez, fuis. Ah, il m'y fait super mal, lui, là-haut. Raté. Ouais. Pas trop bien placé pour te moquer, mec. Ok, on va revoir la stratégie là, parce que... Enfin, il m'agace, lui. Il m'agace. Une larve en moi. Bon, toi, qui a la main chaude là... Je recharge. Tu nous tues qui? Lui à 57. Pas là pour plaisanter. Allez, on le prend. Oh. Lui à 31... Ouais, 31, peut-être pas déconner non plus. Alors, ce qu'on va faire... C'est qu'elle a une grenade. Il lui reste un PA seulement. Bon, c'est raté pour la grenade. Okay. Lui, il a une grenade. On va aller le mettre par ici. Ici. Et toi, tu vas arrêter de viser mon copain, s'il te plaît. Je lance une grenade. Voilà. Au suivant. Non, mais c'est quoi ces manières? Mets-toi ici, comme ça, si lui il bouge, je m'en occupe. Tu l'achèves parce que tu tires quand même super bien. Toi, t'es pas capable d'achever lui, forcément. Donc, tu vas quand même te recacher parce que t'as plus beaucoup de points de vie. Éliminé. Dernière balle. Mais non. Mais comment c'est possible de tirer aussi mal? Bon, toi, faut que tu te fasses les deux, hein, sinon tu vas prendre des dégâts. Très bien. Je tranche dans le vif du sujet. Et le deuxième. Non, pas lui. Lui. 10%. C'est pas bon. C'est pas bon. On va donner un PA. On va pas donner un PA. On va utiliser un PA pour soigner lui. Et on va tirer sur celui-là. Il va prendre une claque, mais c'est pas très grave. Aïe. Oh. Ça, c'était une belle esquive. Bien joué, ma Michaela. Oh la vache.
Qu'est-ce qu'ils font mal? Allez, distribution de PA pour tout le monde. En mouvement. Neutralisé. Il lui reste 2 points d'action, 1 pour aller là, 1 pour tirer. Je suis à sec. Pas très grave. J'écoute. Ok. Ça vaut le coup de le mettre là, du coup. Au plus, il prend une balle, c'est pas grave, parce qu'il se régénère. 90. Bientôt à sec. Parfait. C'est quoi, tu vas même pouvoir lui tirer une autre balle dessus, quand tu le mets à terre. Impeccable. Quoi? Toi, déjà, tu vas recharger. Ça surchauffe. Tu vas lui tirer dessus. 93. Parfait. Tu appareil vas en service. Achever lui. Pour tes deux derniers PA. J'y vais. Faudra se refaire ça. Voilà. Distribution de PA pour tout le monde. Parfait. L'arbre abattu. Toi. T'as pas de vision, mais t'as 5 PA. Et 5 PA, ça commence à être pas mal. On va quand même te mettre ici pour 4 PA. Une vigilance sur lui pour pas qu'il bouge la tête. C'est bon, on est couvert. Bien reçu. Ok, toi il t'en reste 1. De toute façon, tu te régénères donc on va recharger. Recharge. C'est parti. Toi il t'en reste 1 pour recharger. J'ai rechargé. Et là on est pas mal. Ouais, ouais. T'en restes encore, toi? T'en restes un? Ça passe, ça, ou pas? Non, il y a un obstacle. Et ben, on va donner 40% d'esquive à... à toi. C'est parti! Voilà. Ok. Ah, parfait. Bien fait. Ah, il part se cacher. À nous de jouer! Est-ce que tu peux monter ici? Ok. Tu prends ton arme qui n'a pas de munitions, mets une tronçonneuse, et tu vas me tronçonner ce machin, s'il te plaît. On est bientôt de l'autre côté du pont, continue à pousser! Derrière en morceaux! Ok, il a reçu du soin, c'est bien. Ouais. Lui, il est revenu full life, il a sa charge, donc on va peut-être bourriner un petit peu. Ah non, ça passe pas. Bon, alors lui, on va faire en sorte qu'il n'y ait personne dans son champ de vision. J'y vais. Lâchez rien. On a presque traversé le pont. Ah. Bonjour, messieurs. C'était prévu, hein, évidemment. Je savais que vous étiez là. Pas de soucis. Je surveille cette zone. Tu vas en tuer. Tu vas en tuer un si tu fais ça. J'y vais. Vu comment tu tires en ce moment là, profitons. Profitons. Je monte la garde. Toi tu sers à rien ici. Par contre, tu peux aller récupérer la caisse. Est-ce que c'est bien sérieux? Non. Pas du tout. Bon, il recharge là. Alors. Oui. Et toi, il te reste 3 PA pour venir te mettre ici. C'est parti. Pour 1. Et pour être sûr que lui, il bouge pas une oreille non plus. Pour 1. J'analyse la zone. On va voir ce qu'il vaut. Allez, toi, je réfléchirai à deux fois. Parfait. On se fait pas, parce que je vois. Parfait. La larve m'a raté. Qui se déroule sans accroc. Donc lui va toujours en direction de la caisse.
C'est quoi rétablissement de niveau 1? Je sais même pas c'est quoi sa compétence rétablissement. Alors lui. Entendu. Non, elle, parce qu'elle a des enchaînes. Faut que je recharge. Autant l'utiliser. Parce qu'en plus elle les one-shot les petits, ce qui est pas le cas de Gabe. Oh là là. J'en ai eu un. Une inefficacité sans nom. 54. Pouf. Je vais avoir besoin de munitions. Je suis prêt. Super. Joli. Allez, pour le 2, tu viens là. Tu le tues. Toi, tu vas pas l'achever. Si, tu vas l'achever. Allez. La fête est finie, enfoiré. Ok. C'est bon. Et tu vas te positionner ici. J'écoute. Tu as gagné un PA. Tu peux toujours pas y aller, mais tu peux monter. Allez, monte. Toi, t'as gagné un PA, tu vas pouvoir te cacher ici. Non, bon, tu vas pouvoir te cacher ici. Je me déplace. Entendu. Ok. Des idées? Et donc toi, tu vas avancer au maximum. Ici, pour avoir une meilleure vision sur ce qui se passe. Ok. En position, allez, à vous, messieurs les pistes. Ok, à notre tour. Pas de nouvel ennemi. On prend la caisse. Voilà de quoi tenir le coup. Et on se met à couvert ici. Alors. Là, un point de vue. On s'y regroupe pour planifier la suite des opérations. Je pense qu'on va. Je vais en mouvement. Regrouper nos personnages blessés. En même temps, là, je ne vais pas la soigner plus que ça parce qu'elle est tombée au sol tout à l'heure. Une petite grenade de soin. Sur tout le monde, là. Allez. On va te guérir. Voilà, parfait. On commence à être quand même plutôt mieux. Sid, il avance en éclaireur. Ok, il a bien fait. Donc on a 2, 4, 6 ennemis, dont 2 drones et 4 petits rebuts. Alors lui, là, il commence à être pas bien. Ah, j'avais pas vu le sniper et le... Ah, il est pas bien du tout, même. Il est pas bien du tout. Oh, tu arrêtes avec ça. Donc, eux, ils ont pas de grenades, mais elle a des grenades. On va être obligé de l'utiliser. Là, je suppose qu'elle est beaucoup trop loin. Moi, pas beaucoup. Mais trop loin quand même. Allez, on te met ici. Et dis-moi que tu peux faire un carton. 4. Parfait. Je lance une grenade. Ok. C'était toi ou moi? Toi, ta tronçonneuse n'est pas désactivée. Tu peux aller tuer lui direct. Ah, je savais pas vu toi. On va laisser poser. Tu peux aller tuer lui. Direct. Je m'en occupe. Ça a coupé. Je vous attends. Toi, il te reste un point d'action. T'as la vision sur personne. Alors, on va te mettre ici comme ça, si jamais il veut bouger l'autre. Je vais les arrêter. Et toi? Toi, tu vas te mettre en vigilance ici. Ah. Sid est dans le pétrin. Ah ouais, Sid est dans le pétrin, là. Sid, il est bien bien dans le pétrin. Je peux rien faire avec lui de toute façon. Il n'y a plus de PA nulle part. Allez, fin du tour. Activité locus. Ah, j'aurais pu le bouger un peu peut-être. Il aurait été plus safe. Aïe. Ok, tout va bien. C'est une mission maîtrisée. C'est pas passé loin. Ok. Bon. Allez, au travail. Bon, on va pas s'embêter. Toi, tu le ressuscites. Allez, t'as rien. Ouais. Toi, t'as 3 PA. Là, je peux pas le charger comme un bœuf, hein. On est d'accord. On t'en prend un pour venir ici. Venez m'aider. Et t'en
prends un pour le charger, s'il te plaît. Chargez ! Parfait. Donc eux, ils ont plus. Quel talent ! Toi, tu ressuscites ton pote. Merci. Ok. Alors, toi. Allez-y. T'as la vision sur personne. Par contre, eux, ils ont la vision sur nous et nous dessoudent depuis tout à l'heure. Ouais. Donc il est grand temps de régler ce problème. Il te reste 3 PA. Donc pour 1 PA, tu viens ici. Bordel ! Est-ce que ces larves vont nous lâcher un jour ? Oh là là ! Allez, tu tires. Non, mais tu peux pas rater là. Je peux recommencer ? Quoi ? Pourquoi il a 68% ou pourtant, je comprends pas ce principe là. Lui, il a 1 PA. Est-ce que je peux le tuer lui et pas Gabe? Non, je peux pas. Je peux pas prendre de tir non plus. Donc je vais aller le cacher. Je peux même pas le cacher. Je peux le cacher ici. Mais lui, il a la vision. Là, c'était plus safe. Ouais, bof. Bof. Allez, mettons-le là. Je suis là. Oui, t'es là. Je sais que tu es là. Il te reste 2 PA. Tu vas en prendre un pour venir ici. Je bouge. Et avec celui-là, tu me fais des miracles, s'il te plaît. Ouais. Pas mal. Toi, 2 PA. Ça coûte 2 de venir jusque-là, forcément. Alors, tu vas soigner ton pote. Déjà. Ah non, il est déjà à fond, je suis bête. Soigne-toi! Je suis bête. T'as combien là? 10? 10, c'est pas bien. Hein. Allez. Zone d'exécution établie. Préparez-vous! Sangez! Attention! Oubliez comment on faisait? J'ai rien! Mais oui, ça paraissait bien comme stratégie, je comprends pas que ça va marcher. Non, toi tu montes pas, reste là. Tire, non, stop, tu t'arrêtes. Non, tu tires pas. Officier à terre. Oh les flingues. Ok, donc toi tu nous sauves la vie. 54, allez. Allez. Je crois en toi. Pouf. 54. Je vais avoir allez. Besoin de munitions. Le prochain c'est le bon. Je suis mal. Ah, c'est pas vrai. Allez-y. J'aurais jamais dû prendre ces tirs, c'est n'importe quoi. Bon. Va ressusciter ton pote. Allez, ressusciter ton pote. Lui il est embêtant lui. Je suis là. Lui il a plus de grenade, s'il a une grenade. Ok, là je tue lui et je fais très mal au deuxième. On va prendre cette. Je lance une grenade. On va prendre ce principe là. Ensuite. 35, 24, ouais, ok. Le reste c'est blâme. Donc c'est toi qui vas aller réussir ton pote. Parce que t'as pas mal de points de vie. Fini la sieste! Ouais. Ok. Ouais. Il s'est relevé avec 3 PA. T'as quand même de quoi le finir là. Parfait. Tu vas me l'achever s'il te plaît. Et Mikaela, t'as pas intérêt à rater le prochain tir, je te préviens. Considère ça comme de la. Ah, elle a plus de balles, je crois. Je crois qu'elle a plus de balles. Mort et enterré. Super. Je recharge. Bon, toi, des fois, faut savoir encaisser les dégâts. Hein. Je sais pas du tout si c'est des gros dégâts ou pas. Bon, toi, là. Toi, tu vas remourir si tu restes là. D'accord. Donc, tu vas transférer un PA. Ah, je compte tout sur ce tir à 54%. Passe à la vitesse supérieure. C'est une technique okay. Même très risquée. Prête.
Allez, moi j'y crois. Pouf. J'en ai tué un. Impeccable. Donc lui il peut bouger plus librement. Donc on va pouvoir le descendre déjà. J'avance. Pour qu'il fasse l'appât, parce qu'il a beaucoup de points de vie. On va le mettre en vigilance. J'analyse la zone. Lui, on va le mettre en vigilance. Il a pas la vision là. Je crois qu'il a une vision par ici. On va faire ça. Pendant que lui. Ah, bah non. Je crois qu'il est resté un peu là pour aller se cacher, mais même pas. Allez, descendez la dernière, qu'on puisse faire notre repérage. Aïe aïe aïe. Ah, mais il est mort. Non, c'est pas normal ça, c'est pas normal. La nouvelle piste de Michaela a l'air bonne. On a une grosse activité locus dans la ville de Cléburne. Comme annoncé, Oukon est là. Il faut qu'on se tienne prêt. Alors on revient quand là? Ok, on revient à l'avant-dernier fight, d'accord. Donc elle... Ok. Ok. Je recharge. Tu sais quoi, tu m'énerves même plus en fait. T'es tellement efficace que tu m'énerves plus. Cible à terre. Ok. Le prochain. 54, tu les aimes bien ceux-là. Mais ouais. Presque plus de munitions. Mais oui, okay. C'est un héros en mousse. Non mais c'est... Le héros c'est le pire personnage quoi. J'avance. Affirmatif. Après, peut-être qu'il devient fort plus tard, hein, quand il aura grandi. Il aura atteint la puberté, je sais pas. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas gagné. Ouais. Ok. Maintenant, tu sors. On a refait exactement la même chose. Tu l'as eu. Je vais me dégourdir un peu les jambes. J'ai envoyé Michaela le plus loin possible. J'attends les ordres. Lui, je suis là. On l'avait planqué ici. C'est plutôt pas mal, je crois. Donc là, on va se refaire le même combat et puis on va essayer de faire gaffe au sniper quand même. Parce que c'est quand même eux qui m'ont détruit la tête. Tenez-vous prêt. C'est le moment d'agir. Ok. Allez, tu me prends cette caisse, s'il te plaît. Je prends. Et tu viens te cacher ici. Entendu. Là, un point de vue. S'y regroupe pour planifier la suite des opérations. Donc toi, t'es en carton-pâte, donc tu vas te mettre là. Est-ce que tu peux soigner les deux là? Ouais, non, je vous ai pas assez rapproché. Ouais. Bon, bah soigne-toi, hein. On va te guérir. Non, j'aurais pas l'utilisé ça, j'aurais utilisé l'autre. J'attends les coup. Ordres. Parce que la grenade pour ressusciter okay. Quelqu'un qui est loin, c'est toujours utile. Ok. Tu peux avancer jusqu'où toi? Allez, viens te cacher là. Je monte la garde. Ennemi en approche. Donc là il y a les snipers. On commence à avoir l'habitude. Donc il est hors de question que je quitte ma position avant d'avoir nettoyé ces petits machins. Voilà, le sniper avance. Comme ça, ça va le mettre à découvert. Et c'est très bien. Donc ils ont c'est mis une zone de vigilance qui est quand même soutien pas dingue. Disponible. Donc on va prendre Michaela. 34, ouais, 34 c'est pas ouf hein. Allez toi, t'as combien si tu tires? 76, mais tu les tues pas en un coup, donc ça a pas d'intérêt en fait. Sid. J'attends les ordres. 66, je prends. Mon flingue est à sec. Bah ouais, même quand tu tires toutes tes balles à côté quoi. Un de moins. Appareil en service. Donc toi, tu vas te faire une vigilance. Ici, là, et tu vas me one-shot tous ceux qui passent. Je monte la garde.
J'écoute. Toi, tu vas me faire une vigilance ici et tu vas appliquer le même principe. Bien reçu. Toi, tu rentres chez toi. Mais non, ça va. On t'aime bien. Bon, par contre, je ne sais pas ce que tu vas faire. Si je te mets en vigilance là, elle va te tirer dessus. Donc toi, tu vas mettre des points de vie à quelqu'un. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Tu vas te mettre là, pour deux. Aha. Voilà, tu recules bien. Et tu te mets en vigilance. Tu as jeté tes copains, je te connais. J'ai établi un bon périmètre défensif. Pressez-vous, on a de la visite. Tu mérites. Allez, pas. Garde tes balles pour les petits là. Faudrait apprendre à viser. Tu as sec. Tu l'as raté. Tirez-moi ce rebut. Mikayala, tu l'as raté. Ennemi à terre. C'est pas comme ça que je t'ai élevé, hein. Ok. Le sniper a fait une grosse erreur. Mais c'est pas un sniper. Ah, ils sont après les snipers en fait. Ah, ils sont là. C'était que de la piétaille pour l'instant. Toi, tu vas me prendre ces deux tirs sur lui. En v'là un. En v'là deux. C'était prémédité. Ouais, ça tu donnes des points de vie un peu à tout le monde. Tu veux tirer sur lui. Besoin de munitions. Ouais, t'es à sec de partout là. Toi, est-ce que tu peux. Non, pas celui. 49, c'est pas assez. Prête. Toi, tu recharges. Faut que je recharge. Faut avoir besoin de toi pour tuer lui là. 90, allez. Première balle, couché. Et le deuxième. J'ai presque plus de munitions. Parfait. En attente. Toi, larve abattue. 70. Oh, 79 sur le sniper, je prends. Dernière balle. Couché, parfait. Lui, il a plus de balles. Par contre, il a le flingue. Un critique. Entendu. Ben voilà. Un plan qui se déroule sans accro. Allez, toi, redonne des PA à tout le monde. Ouais. J'avance. Il y a le sniper là-bas. Faut pas que je fasse n'importe quoi. C'est bien ce que je pensais. C'est comme ça qu'on devient une légende. On est couvert ici. Toi, il est grand temps de te déplacer par contre. Soutien en attente. Je me mets en position. Allez. Bien essayé. Impeccable. Impeccable. Parlez au combat. Toi, tu redonnes des PA à tout le monde. Et on n'avance pas trop parce que derrière il y a des gros bois. Tu peux l'avoir là. Avec ton arme qui est pas chargée. Arme chargée. Au rapport. Recharge ton arme. J'ai rechargé. J'avance. Ok. Toi, vends-moi du rêve. 11. Ne vends pas du rêve. Allez, vends-moi du rêve. C'est mes dernières munitions. Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit. J'ai plus de munitions. Deux fois. Ok. Elle est malade. Je pense qu'elle est malade. Je monte la garde. J'y vais. On l'achève pour distribuer les PA. Logiquement, s'il prend le tir, il va pouvoir le réussir, lui. 22. Exécution confirmée. Bordel! Est-ce que ces larves vont nous lâcher un jour? 95. Au sol, parfait. Si un de ses potes qui vient l'aider, ça marchera pas.
Est-ce que j'enverrai pas une grenade maintenant? Maintenant pour faire les dégâts. Non, c'est pas le bon plan du tout. Par contre, je vais peut-être le reculer un petit peu parce que là il va prendre cher sinon. Qu'est-ce qu'on a? Salut! Un PA. Je m'en occupe. Et donc toi, il te reste plus de balles, c'est dommage. J'aurais bien mis une vigilance, mais je peux pas. Allez. Les larves sont là! Tenez-vous prêts! Ah, c'est le drone qui a tiré les tirs de vigilance, c'est dommage, j'aurais préféré que ce soit les gros là. Bon allez, mettez-vous en tas, qu'on puisse vous envoyer une grosse grenade dans la tête, s'il vous plaît. Ça c'est bien. Allez, viens ici toi, approche-toi. C'est pas mal. Parce que les grenades de Cid... C'est parti. Oh non. Ouais, c'est lui. Les grenades de Cid... Elles ont un large rayon, elles font beaucoup de dégâts. Donc là on est déjà pas mal. Car à l'explosion. Antilio rebut, on fait très mal aux, aux autres. Toi, tu prends un shoot, non pas sur lui, il sert à rien. Sur lui, taux de critique 30%. Ah mais c'est Cid en fait. Voilà. C'est Mikaïla que je veux moi. 76, 73, 62. On va coucher lui d'abord. Merde. Je te le teste. J'ai presque plus de munitions. 62 quoi. J'ai plus de munitions. Et il est pas mort. Ok. Oui. Là je suis pas très bien. Quoi? Je suis à sec. Bah ouais, t'es à sec, forcément t'es à sec. Tu mets tes balles à côté, j'arrête pas de le dire. Soutien en attente. En surveillance. Donnez vos positions. Oh, c'est très bien. Non, mais tire pas deux fois. Parfait. Donc il reste deux gros qui vont faire un peu mal. Et par un peu, je veux dire que ils vont faire très très mal. Change de cible, toi. Parfait. C'est l'heure du massacre. Ok. Faut que je recharge. Toi, t'étais bien tout à l'heure, et là, tu commences à... Tu commences à rater tes tirs, là. Pourquoi 57-54? Il est pas couvert, là. Allez, descendez la dernière, qu'on J'aurais puisse jamais faire notre dû le prendre, celui-là, en fait. J'aurais dû l'achever à la main. Misclic, forcément. Ouais. Ok, tout va bien. Est-ce que tu vas faire assez de dégâts pour le tuer, toi? Pas du tout, hein. Mais non, pas du tout, comme dans vraiment pas, quoi. Allez, ressuscite ton copain. Retourne te battre, soldat. Bats-toi ma place, soldat. Il se cache derrière lui, en plus. Pas une blague, quoi. Donc je peux pas les tronçonner. Okay. Alors, Cid déjà. Ça va faire du friendly fire ça. Coup partiellement reçu, non mais je t'en mettrai des coups partiellement reçus moi. Impeccable. Tu l'achèves s'il te plaît. Parfait. Comme ça, tu refais gagner des points de vie à tes copains. Joli coup. Partir dessus, ils bronchent pas les mecs. Il te reste un PA, on va pas recharger maintenant, c'est hors de question. On va continuer à faire du dégât. C'est parti. Et le héros. C'est le héros qui va l'achever. Il va pas réussir. Il va pas réussir, je préfère qu'il donne son PA à Cid. C'est un peu triste, hein, mais... Tiens, un petit remontant. Je trouve ça plus sûr. J'attends les ordres. Je suis presque à sec. J'ai envie de pleurer. Je suis à sec. Ouais. Eh ben c'est pour toi. Je suis à sec. Je vous déteste.
censé faire quoi, moi, là ? Monte la garde. Je recharge. Mais ouais, zéro respect. Ils ont raté tout leur tir, quoi. Allez, rentre dans le cône. Non, il rentre pas, il va l'achever. Non ! Non ! Allez, au boulot ! Allez, docteur Gabe Diaz. Retourne te battre. Lui, sa barre de points de vie, elle est foutue, quoi. Il reste 182 points de vie. Donc là, quand je suis en face, c'est 40%. Je vais me mettre sur le côté pour être sûr de pas le rater. Voilà l'objectif. T'as pas dit, ouais, ouais. Je fais quoi. J'attends les ordres. Est-ce que tu es assez prêt, tu penses? 85. T'as pas le tir à 100%. Reste une balle. J'en peux plus. J'en peux plus de ces mecs. C'est pas possible. Prêt. Ça. J'avance. On l'achève surtout pas. On l'achève surtout pas. Allez, vigilance. Parce qu'il y a encore un mec, hein, faut pas l'oublier. Je monte la garde. Recharge. Les larves arrivent. Eh oui, je t'avais vu, toi. Depuis le temps que j'en rêvais. Et donc c'est toi qui va achever ce monsieur. Pas de prisonnier. Voilà, vengeance. Encore un et c'est bon. Recharge. Recharger. Donc lui il s'est dit, je prends l'échelle. Tout ce qui arrive à l'échelle, je le désingue. Ok. Et bon, on va voir okay. Si t'arrives à désinguer Mikaela. Hein. Puisqu'on va la mettre ici. J'y vais. En vigilance, elle aussi. Allez, si tu bouges essayez sa tête, un peu de passer par là. Je vous attends. Ok. Oh, j'allais oublier la caisse, quoi. C'est quand même pas évident d'être faire la guerre quand on est aveugle. Je réquisitionne. Tu réquisitionnes. Toi, à part soigner les gens pour qu'ils se battent pour toi et réquisitionner des trucs, tu sais à rien faire, quoi. Entendu. J'y vais. Bon, voyons les deux compétents au fond parce que. C'est quand même pas glorieux ce qu'ils me font les autres depuis tout à l'heure. De toute façon, j'ai pas la vision en bas. S'il monte pas, il n'aura pas. Il bouge pas. Hein. Bah c'est ouais, le moment pas. De jouer les exterminateurs. Donc t'as une balle. Tu vas pas réussir à la tuer de toute façon. Bon, allez, c'est lui qui va y aller. Parce que ça m'agace. Voilà. Passons-le à la baïonnette. C'est bon. C'est prêt. Voilà, une mission rondement menée, du premier coup. J'écoute. J'avance. Bien reçu. T'as pas de PA, toi ? J'ai pas de PA. Ou alors. Oh, j'attends les ordres. Je crois que je t'ai pas vu, toi ? Comment j'y vais ? Comment j'y vais ? Oh, et il y aura des questions que cette caisse parte sans moi ? Ouais. Bah. Ou alors c'est que la mission n'est pas finie. J'y vais. Oui, super, c'est exactement ouais. Ce que je voulais faire. Préparez-vous à l'attaque. Y'a pas d'attaque. C'est parti.
Je sais pas comment on y va à la caisse là-bas, c'est bizarre. Bien, voyons où on en est. Et donc la mission est pas finie. J'ai pas vu l'échelle, non, Flav. Déjà, c'est une de lui. Je crois que notre meilleur ami va nous dire bonjour. Des soins et des réquisitions. À terre. Bon, et non, mais c'est pas la peine de se cacher là. Kayala, elle lui met une balle dans la tête, fin de l'histoire, fin du jeu, on passe à autre chose. Ocon. C'est un drogué en plus, super. Il va tuer Carmine ? Non, tue pas Carmine. Ouais, alors chez les humains, les généticiens, ils sont rarement capables de faire ça quand même. Là, tu sens que c'est un généticien spé en phétamine. Plus isolé. Pas la peine. Stop. Bah voilà, depuis le début, je dis qu'il fallait faire ça. Bien, Wedge. Même s'il se relève, ça a eu raison. Au moins, il l'ouvrira moins. Ah, mais il se régénère. Espèce de vermine ! Lancez la bête ! Écrasez-les ! Là, remets-lui une balle, là. Championne. À terre ! Ah oui, c'est dire cachez-vous aussi, le héros. Le Brumac. Diverti d'attaque, les réservoirs sur son dos sont des points faibles. Préparez-vous! Il faut l'encercler! Roquette en approche! Tirez-vous de la zone d'impact! J'ai même pas peur. Parce qu'il y a Mikaela. Réservoir d'ignition sur son dos! Si on les détruit, il s'écroule! Va chercher à les couvrir! Alors on a besoin de tireurs de chaque côté! Elle est trop forte. Ces Brumac sont remontés! Ça risque de secouer! Il essaie de couvrir ses réservoirs! Frappez-le de l'autre côté! Ouais, j'ai compris la technique, Sid, c'est peut-être pas la peine de... À moins que ça gabe. Oui, le boss, je m'en fous. L'argent avant tout. C'est à nous, maintenant. On fait j'ai zéro dégâts. Non. J'attends les ordres. Oui, toi. Ou j'ai même... Ah, il n'a plus pour l'action, c'est dommage, ça. C'est un cachot derrière cette caisse en bois, ça me semble être une excellente idée. J'ai fait tourner le Brumac. Ah, on peut peut-être tirer sur ces gros trucs là. Bon, on verra ça plus tard, parce qu'ils me disent de tirer sur les réservoirs. Donc on va pas prendre d'initiative. Nous sommes des militaires. J'y vais. J'ai fait tourner le Brumac. On a quasiment vidé un réservoir, ce qui est plutôt bien. Lui, il doit avoir la vision. Bon, au moins on sait que quand les trucs font 6 mètres de haut, il ne rate pas. Non, 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 non. Non, non. Dispersion. Tu t'arrêtes tout de suite. Évitez de laisser vous piétiner. Tu t'arrêtes tout de suite. Merde! Si vous pouvez tirer sur les armes de ses bras, faites-le! Mais il faut savoir, je tire dans le dos ou je tire sur les armes de ses bras? Kayla est blessée! Dégagez! Barrage de missiles!
1. Ils sont sérieux là ? À nous de jouer ! C'est pas une odeur de défaite que je sens dans l'air là ? Bon, de toute façon. C'est parti ! On va se concentrer sur le Brumac. Parce que eux ils sont pas encore sortis de toute façon. Alors lui, du haut, c'est 0 dégâts. Bien, un coup critique. Oui. On relève la copine. Cette fois, je suis prête. Ouais. T'es prête, mais il te reste pas beaucoup de points de vie, malheureusement. J'y vais. Ok, 1-0. Premier réservoir détruit. Continuez à l'arroser. Il y a un truc qui m'embête profondément, c'est que les deux débiles du haut, ils n'ont pas de grenades pour fermer le puits d'émergence. Et ça... Ça m'arrange pas les masses. Résistant quoi. Ouais. Je suis prêt. Reste plus de balles. Le critique qui fait du bien. Ça. Oui, tu vaux mieux que ça. Je suis à 7. Non, pas à lui. Ah, je vais pas le donner à qui je veux, ce point. Il n'y a pas écrit de portée. Normalement, ça veut dire qu'il n'y a pas de portée. Bah si, je peux le donner à Mikaela. Passe à la vitesse supérieure. Prêt. Faut que je recharge. Les larves sont en mouvement. Faites attention à ce puits. Ok, c'est des petits machins. Dommage qu'il soit pas mis là pour se faire exploser par ici. Ah non. Arrête de mettre des coups de pied aux gens. Fait feu. Aïe aïe aïe. Très bien, elle va mourir. Il nous canarde. Non, non, non. Arrête-toi. Oh, elle est morte. Faites attention. Il nous en remet une dose. De toute façon, elle est morte. Donc c'est game over si elle est morte. Ouais, oui. Mikaela Dorn s'est fait tuer. Allez, recommencez le combat. Donc tactiquement, il faut que... La nouvelle piste de Mikaela a l'air bonne. Tue. On a une grosse activité locus dans la ville de Cleburne. Comme annoncé. Oukon est là. Il faut qu'on se tienne prêt. Brumac, séparez-vous! Il faut l'encercler! Roquette en approche! Tirez-vous de la zone d'impact! Bon, quitte à perdre un peu de PA, il faut absolument que lui, il traverse parce qu'il a une grenade. Ouais, j'avance! Allez-y! Je vais pas écouter leurs conseils. Je vais tirer directement sur la mitrailleuse parce que... Ah bah ils ont 2250 points de vie les mitrailleuses. Et je suis censé tuer ça comment avec mes deux zigotos là. Il leur faut à peu près 47 tirs pour tuer un truc pareil.
Donc lui, il a 182 points de vie. Donc lui, c'est celui qui va aller ramasser la caisse. Aucun parce que problème. Je serais cupide et avide. Ça peut être intéressant. Et là, il va tirer là-dedans. 20% de chance de critique. Bien. Si on détruit ces mitrailleuses, plus que 2020. Mois à surveiller. Il faut absolument que je garde le dernier tir pour Gabe. Je suis là. Pour attirer le Brumac parce que elle est toute seule et elle a pas des masses de points de vie. Il essaie de couvrir ses réservoirs. Il se retourne. Frappez-le de l'autre côté. Toi, tu peux retirer sur... Pas celle-là. Pas celle-là. T'as la langue que sur celle-là. C'est bien dommage. Est-ce que t'es assez loin pour lui jeter une grenade? Absolument pas, hein. Même si je force, non, tu peux pas, hein. Eh bien, dans ce cas-là, ça sera un tir dans la mitrailleuse. Je vais avoir besoin de munitions. Il va en falloir quelques-uns quand même. Activité ennemie repérée. Dispersion. Évitez de le laisser vous piétiner. Pas grave, il y a un cible. Presque. Roquette, écartez-vous. Donc là, il a pas tiré, c'est plutôt une bonne nouvelle. Quel genre de monstre avait vraiment besoin de roquettes en plus? C'est n'importe quoi! Je vais te dire qui, c'est l'enfoiré sur qui tu viens de te défouler! Eh, hey, c'était du beau boulot! J'étais censé savoir qu'Ukon était une sorte de super larve! Ça c'est bien, encore. Très bien. Je suis toute oui. Pas toi. Mm-hmm. Toi. Besoin bon. De munitions. On va l'avoir cette mitrailleuse. Mettre à sec. Parfait. Beaucoup moins impressionnant maintenant qu'il a plus qu'un seul arme. Mitrailleuse détruite. Ça devrait le calmer. Ah, c'est 3 pour aller ici là. 3 c'est beaucoup. Hein. J'y vais. J'ai presque plus de munitions. Ouais, mais celle-là fait plus mal. Et parfait. Merde, je suis à sec. Bon, ça se passe un petit peu mieux. Il va encore prendre cher. Faites pas écraser. D'ailleurs, il va être mis au sol, je pense. Merde! Si vous pouvez tirer sur les armes de ses bras, faites-le! Oh! Il a combien de flingues, ce Gugus? Alors, là, on va le faire se retourner pour pouvoir viser son arme. Sid s'occupera du puits d'émergence après. Faudrait que je laisse un mec en vigilance ici pour battre les petits rebuts. C'est l'heure du massacre. Donc déjà ce qu'on va faire. Lui, il va aller se cacher ici. Je me positionne. Il va envoyer une grenade de soin. Ici, comme ça il va rendre 200 points de vie à Sid normalement. Pas du tout. Il a pas la compétence, très bien. Il va recharger. Je recharge. Même si on n'a pas des gros dégâts au Brunax, ce tour-ci, c'est pas la fin du monde. Toi, ma grande. Ouais. Tu vas venir te mettre là. Ok. Parce que là, il est pas beaucoup plus loin de 15 mètres, on est d'accord. J'ai plus de munitions. Ah bah, il devait être à 16 mètres. J'ai fait tourner le Brumac.
toi, tu te mets ici. Est-ce qu'on va essayer de vous séparer tous les deux? Enfin, ici, parce qu'il y a les petits machins qui vont arriver là. Non, mais c'est Sid qui va s'en occuper. Allez, ici pour deux. Et tu recharges. Munitions chargées. Sid, tu vas te mettre ici. Non. Tu vas te mettre là. Je décolle. En vigilance, ici. Je monte la garde. Activité ennemie repérée. Merde, un puits. Même les yeux fermés, je t'aurais pu venir. Ça, c'est parfait. Plus qu'une larve. Il va bouger, il va se faire dessouder. Ouais, il va tirer avec son petit pistolet avant. Ah non, il va faire un coup de pied. Un coup de pied. Allez, c'est pas grave, il est plein de points de vie. Reculez. Ah si. Ah, elle pourra se faire toucher sans qu'il passe dans le cône. Ça, c'est il pas très sympa. Lourde. Du coup, il va être au sol. Allez, il faut absolument qu'il passe dans le cône de vigilance. Absolument. Sinon, je perds un tour. Aïe, aïe, aïe. Oui. Ouf. Non, allez, celle-là, il va se faire éclater par son copain, de toute façon. Bien. Elle ou ma bourrine en chef? Je m'en charge. Je me suis pas caché, là. J'ai fait un misclic, on est d'accord. On est d'accord. Tant pis. Retourne-moi ce brumac, s'il te plaît. Tu as sec? J'ai fait tourner le brumac. Parfait. Sid. Entendu. Tu me prends une grenade. Tu me la mets dans ce trou, s'il te plaît. Car à l'explosion. Puis fermé. Donc lui, ça sert à rien de le tuer parce qu'il va se faire tuer par l'explosion. Sid, il va aller se mettre là. Je vais me dégourdir. Il a pas mal de points de vie. Il va recharger. Je recharge. J'attends les ordres. J'achèverais bien son canon quand même. Non, bon, ce sera le dos pour l'instant. Avec un coup critique, ce qui est plutôt chouette. J'ai fait tourner le brumac. Un PA, on va soigner Bobby Joe. Allez, va, allez, 100 points de vie pour toi. Bon. Tu vas venir te placer ici. Est-ce qu'il bouge avant? Non, c'est le boss qui bouge avant. Ouais. T'as la vue sur quoi là? Celui-là ici? 100%. Les locustes s'activent. C'est encore Sid qui prend, on peut pas lui foutre la paix un peu? Bah ouais, mais c'est toujours lui qui prend. Il nous tire dessus. La mitrailleuse a fait quand même de moins dans mon corps. Alors. On va leur montrer de quoi on est capable. Toi, t'es un petit peu loin, ma grande. Il va falloir que tu. J'y vais. Que tu t'avances. T'es trop loin, c'est dommage. Est-ce qu'il y a la grenade? Tu. Ouais, non, rien du tout. Rien du tout. Donc, un tir de vigilance ici. Au cas où t'approches de quelque chose, on va sur lui directement. Je vais les arrêter. Salut! Toi, il faut t'aller te cacher. T'as pas beaucoup de points de vie, donc faut surtout pas que tu sois découvert. Il faut quand même que tu tires, hein. Allez, on tire sur la mitrailleuse. Bon,
Alors ? Toi, même principe, tu te mets ouais. ici. On tire sur la mitrailleuse. Bien toi, sec ! Très bien. Je la sec ! 220. On te ressuscitera au prochain tour avec une grenade, hein, si je te dise. Parfait. Et le dernier tir, il est pour que tu te retournes. Génial ! On a eu ces deux mitrailleuses ! Défendez la position maintenant ! Pas le tir de vigilance. Tu es trop loin. Donc si tu vas prendre un coup de pied. Il est pas mort, c'est parfait. Roquette en approche. Mon dieu, il met plus que des coups de pied, donc il fait beaucoup moins peur quand même. Ok, ça lâche des rebuts des fantassins. Bon, eux ils sont morts de toute façon. Soutien disponible. Lui il faut le tuer. Qu'est-ce qu'on a ? T'as combien sur lui toi ? Non, pas sur lui. Pas sur lui. T'as pas la vision sur lui ici ? 10% ? C'est pas bien 10%. Et si je te mets ici ? Si je te mets là, 10% toujours, 36. C'est pas fou. Allez. Faut que je recharge ! Toi, tu vas. Tu vas recharger du coup ? Non, tu vas aller le tronçonner. Oh non ! Le sergent Diaz est touché ! Ouais ! Je suis là. Quelle erreur ! Quelle erreur ! Ah, ça va me coûter la. J'y vais ! Ça va me coûter le truc, c'est pas possible. Je recharge. Elle a plus de PA. J'écoute. Lui il a plus de PA et lui il en reste un quoi. Aïe 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 aïe. Je vais me mettre là. On va essayer d'en tuer au moins un, c'est qu'il va mourir avec l'explosion de la roquette. Hein. Je suis obligé d'aller le. Il va m'interrompre. Bon, on verra bien. Merci. Prochain tour, ils sont couchés tous les deux. Bon, alors ? Ça sert à rien. Ça passe ou pas ? Ouais, bon, lui va survivre. Mais mon pauvre hippie va mourir par contre. Je suis très déçu. Non, je vais lui donner un PA. Je suis là, soldat. Allez. Allez, parle le plus loin possible. Et toi, recharge. Prêt pour la suite. Ok, ils arrivent. Bon, là, s'il devait y avoir de revente. Tuer ce machin, sincèrement. Aïe! Il était pas mort lui, j'avais oublié. Je l'avais complètement oublié, quoi. Affirmatif. Non. Lève-toi, putain! Lui, 41? Mais il a un mètre de moins. Impeccable. Tu l'achèves, s'il te plaît. Parfait. Il en reste plus qu'un. J'en ai eu un. Et pour finir, tu vas aller te remettre ici.
Allez-y. Toi, il te reste 4 points de vie, quoi. Tu veux aller ressusciter ton pote, s'il te plaît. Je suis là. Et tu vas être caché ici. Bien. Lui, il a pas la vision sur les réservoirs, donc faut le mettre au moins là. Parce que là, il faut que je l'achève au bout d'un moment. Sinon, on ne sortira jamais. Premier réservoir détruit. Allez, un réservoir. Continuez en moins. À arroser. Il se retourne. Il se retourne pas. Bon. On continue. Ouais, ouais. Je suis obligé de le mettre là. Je suis obligé de le mettre là. J'ai pas le choix. Allez. M'en occupe. Ces Brumax sont remontés. Ça risque de secouer. Ouais, il craint pas du tout les tirs de vigilance en fait. Le Brumax martèle le sol. Faites attention, il nous en remet une dose. Ok. Alors. Ok, il faut pas trop casser loin du puits. Pour pouvoir le fermer à la grenade assez rapidement. Allez, tu tires là-dessus, s'il te plaît. Avoir besoin de recharger. C'est parti. T'as pas la vision là? Bah tant pis hein. Non, il faut la vision. Ah, je vais le contourner, c'est mort. Bon bah on va le faire bouger un petit peu. J'y vais. Quoi? Allez, on va le mettre là. On va le mettre en vigilance sur le puits d'émergence. Pour couvrir Mikaela. La garde. Prête. Elle a la vision. Allez. C'est mes dernières munitions. Prêt. Lui, il faut qu'il se soigne absolument. Tiens, ça devrait aller. Elle, il faut qu'elle bouge. Avec son dernier point, la vigilance ici. C'est bon, on est couvert. Ils arrivent. En espérant qu'il n'y ait pas trop des gros trucs. Attention, appuie. Ok, c'est des rebuts, un de moins. Il a l'air mort. Stop, arrête-toi. Ok, donc il bouge pas beaucoup. Si on reste à distance, normalement on est pas mal. Faut qu'on fasse tourner en bourrique en fait. Aïe aïe aïe. Je sais pas combien de points de vie il reste. Et mince. Affirmatif. Tu vas te mettre à côté d'elle. En tout cas, tu vas avancer un tout petit peu. Je me déplace. Pour sortir du cône et être dans. On va éviter de soigner le méchant quand même. Oh, je me sens pas super. Ok, donc là, elle se relève. Tiens, voilà un spray. Et Gabe s'est soigné. Parfait.
Maintenant, il peut peut-être essayer d'en tuer un. 90. Ah, mais il a tué pas du premier coup, j'avais oublié. J'avais oublié qu'il était pas très bon, lui. Salut. Bon, elle, de toute façon, la grenade, c'est obligatoire. Grenade déployée. Un puits en moi. Toi. Quoi? Tu viens. Ici. Ah, c'est deux, ça. Je suis en chemin. Pour un, tu viens ici. Là, tu as touché ta pote, là. Et ta pote, elle a plus de points d'action, quoi. Bon, alors ? Il lui reste un point d'action, quoi. Lui, sa grenade est pas rechargée de toute façon, on n'a pas trop le choix. On va se faire une vigilance là, il a une balle, donc il faut qu'il recharge son arme déjà. Je recharge. Et ensuite, je vais tirer là. Cette zone. Lui, il va tirer là. Et on va espérer que Yala ne meure pas une autre fois. Et lui, il faut qu'il s'en aille. Loin, si possible. Très bien. Ok. Ces enfoirés arrivent. C'est compliqué quand même, non? Bon, au moins on l'a recentré un petit peu. Barrage de missiles. Les petits là, ils vont être. Si on n'arrive pas à les shooter, ils vont être décisifs, je pense. On a que deux balles, de toute façon. On pourra pas tous les tuer. Elle est morte. Elle est morte. Eh ben, allez, on recommence. La nouvelle piste de Mikaela a l'air bonne. On a une grosse activité locus dans la ville de Cleburne. Comme annoncé. Oukon est là. Bien. Si on détruit ces mitrailleuses, ce sera ça de moi à surveiller. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi il est pas content? J'écoute. Elle va voir qu'il bouge. Bon, de toute façon, là, il faut commencer à l'esquinter. Hein. Soutien disponible. Toi, tu viens ici pour deux. Bon, on va essayer de le faire tourner en bourrique un petit peu. Il est trop loin ton copain là, ouais, il est trop loin. Donc toi tu vas... Ah mais il est pas KO. Ah il reste 4 points de vie. Bon bah tu peux le soigner alors. Tu peux le soigner j'ai dit. Pourquoi il veut pas? Soigne ton copain. Ah non, on peut pas le soigner. Mais pourquoi je peux pas le ressusciter alors? Non, moi il est pas KO, je comprends pas. On va effectuer un premier tir. Il se retourne. Ensuite, on va aller le mettre ici. Il doit être hors de portée du bruit map, logiquement. Je suis là. Est-ce que tu peux soigner ton copain maintenant? Oui, tu peux soigner ton copain. Je me sens déjà mieux. Ouais, ouais. Donc là, il n'y a plus d'émergence qui est en train de s'ouvrir. Donc elle, on va quand même la faire s'éloigner un petit peu du puits d'émergence. Là, elle peut prendre un tir. Elle peut prendre un tir. C'est mes dernières munitions. Il nous reste lui. Il peut pas prendre de tir, lui. Donc, du coup. On va le mettre ici.
on va mettre en vigilance sur le... sur ce texte-là. Ils vont pas y aller, là. Ils vont pas y aller. On va essayer, on va voir. Garde. Ramenez-vous, les affreux. T'appuie. Roquette en approche. Donc là, il y en a 4. En attente. Donc toi déjà, t'es... il faut que t'en tues au moins un. Parfait. Si t'en tues un deuxième. Locust éliminé. C'est encore mieux. 10, non. Hors de question que je prenne ce tir. Qu'est-ce qu'on a ? Toi, tu sors d'ici. J'arrive. Il te reste 2 balles. Techniquement, ça fait 2 morts, on est d'accord. Pourquoi tu le tues pour un coup ? C'est quoi cette farce ? Ah, puis non, ça fait pas 2 morts en plus, parce que... J'espère que je suis pas trop loin. Oh, quelle erreur, encore une fois. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Réfléchis un peu. En moi. Ils sont embêtants. Hein. Il va juste bouger de 1. Et il va attirer le Brumac dans l'autre sens. Le Brumac, j'ai dit. Il a pas la vision, forcément. Dans ce cas-là, est-ce qu'il peut rendre des points de vie à son copain? Oui. Ça va aller. Est-ce qu'il peut mettre une vigilance jusqu'ici? Oui. Je laisserai rien passer. Je me repositionne. Il va prendre un coup de pied, lui, mais tant pis. Hein. Pas vraiment le choix. J'analyse la zone. Allez, faut éliminer ce petit machin là. Pour qu'on puisse se focaliser sur le boss. Ah, mais ça veut lui enlever sa vigilance, je suis sûr, ça. Ah non, si. Ouais, c'est l'enlève la vigilance. Le sergent Diaz est touché. Roquette en approche. Non. Celui-là a des prix. Je serais toi, je réfléchirais à deux fois. Je sais. Saloperie de rebut. Ok, à notre tour. Allez, on est obligé de le ressusciter. Est-ce que je vais être assez... Non, je pourrais jamais la soigner. Allez. On va y arriver. La nouvelle piste de Michaela a l'air bonne. On a une grosse activité locus dans la ville de Claybourne. Comme annoncé. Ukon est là. Il faut qu'on se tienne prêt. Brumac, séparez-vous! Il faut l'encercler! Roquette en approche! Tirez-vous de la zone d'impact! Alors. Ouais. J'y vais. On va lui tirer dessus. C'est un sac à PV, quoi. Je suis là. Je monte la garde.
je m'en charge. C'est bon, on est couvert. Bien reçu. Soigne-toi. Prêt, déployé. Au rapport. Ah, il peut même pas bouger lui en fait, il est foutu quoi. Allez. C'est parti. C'est parti. Appui d'émergence. Bien fait. Logiquement. Roquette, écartez-vous! Je compte être trop petit, là, les gars, ça. Ils sont très embêtants. Bien fait! Plus de balles, elle va être au sol. Celui-là a des griffes! Je ne suis pas obligé de l'achever. On a perdu un soldat. Ouais, et on a pas mal de le perdre celui-là. Parce qu'encore un autre, je m'en moque un petit peu. Mais celui-là, si on le perd, c'est game over. La nouvelle piste de Michaela a l'air bonne. On a une grosse activité locus dans la ville de Claiborne. Comme annoncé. Oukon est là. Il faut qu'on se tienne prêt. Rumac, séparez-vous! Il faut l'encercler! Roquette en approche! Tirez-vous de la zone d'impact! Ouais? Alors, toi, il y a le puits d'émergence qui est là. Tu vas venir te positionner assez loin du puits d'émergence, quand même. Tu vas venir ici. C'est bon. Tu vas te mettre un Overwatch là pour en tuer au moins un. Je monte la garde. Allez-y. Toi, tu vas venir ici pour en tuer au moins un. On est couvert ici. Toi, on va prendre un tir. Dernière balle. Tu vas sortir de la zone d'explosion. Très bien. Toi, tu vas te sauver le plus loin possible. Ah, super. Ok. Et toi, est-ce que tu peux soigner quelqu'un à part toi? Tu peux soigner Diaz. Allez. Je vais te soigner. Très bien. Faites gaffe! Activité locus! Alors là, il faut pas que ça passe. Puis de l'art. 4. Allez. Ok, Yala, je compte sur toi. Toi, tu vas pas l'écraser. Non, c'est bon. Faites gaffe aux roquettes. On sait qu'il y a des roquettes, on sait. Cible à terre. Ok, il n'y en a aucun qui est passé réellement. Donc toi, tu te mets ici. Tu prends un tir. Parce qu'il faut quand même qu'on arrive au bout de ce boss un jour. C'est parti. Toi, si tu prends un tir là. T'es à 76, mais tu tues pas. Tu tues personne à chaque fois, toi. Ok. Il risque de se prendre un coup de pied, mais tant pis. Mon flingue est à sec. Un de moins. Ennemi à terre. On recharge. Je suis là. Toi, tu sors de la zone.
Ah non. Non, pas du tout. Bon, tant pis. Tu recharges. Et dites-moi en vigilance ici. Je m'en occupe. Pour en tuer au moins un. Ouais. C'est tout ce que je te demande. Toi, tu recharges. Bien reçu. Toi, t'as tes 3 PA. Tu peux mettre une balle et t'en aller. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai beaucoup de munitions. Tu vas t'en aller de 1. Ça devrait suffire pour l'esquiver. J'avance. Et avec le reste, tu vas essayer d'en tuer un coup critique, s'il te plaît. Absolument pas. Sec. Encore deux qui sortent. Ah, si j'avais pu le fermer ce puits. Le Brumac fait barrage. Ok. Avec les pieds, tant mieux. Ok. Allez, boum. Parfait. Donc, il prend une claque. Aïe, ça pique. Très bien. Et donc, il y en a deux nouveaux, évidemment. Alors, lui, on va le faire venir ici, le plus loin possible. Entendu. La première balle, 48. On essaye, il faut que ça touche. Parfait. Je t'ai eu. Avec la deuxième, il a pas langue pour un. Ah bah tant pis, on essaye. Je l'ai raté. Ah, faut qu'il recharge en plus. Prêt pour la suite. Mince. Tant pis pour le boss, hein. Sauter les souris. Parfait, le plus critique, il est. Ennemi à terre. Très bienvenu. Allez-y. Toi. Est-ce que t'as tes grenades seed ou pas? Ouais. Ouais, c'est bon, ok. Toi, tu recules d'un pas. Et tu m'élimines ce machin, s'il te plaît. Allez. J'ai presque plus de munitions. Tu le fais ouf pistolet, s'il te plaît. Parfait. Oh ouais, bordel. Seed. Deux points d'action pour te rapprocher au maximum. Et être le plus loin possible du Brumac. Et la grenade ici. Donc là, il faut qu'on fasse un maximum de dégâts au boss au milieu du prochain tour. Parce que je pense que les divergences ils viennent à l'infini. Les locustes s'activent. Bon, on va arriver à faire tourner en bourrique pour pas qu'il bouge au milieu de la map. Ok. Barrage de missiles. Il y a moins de mouvement que nos personnages. Donc toi. Allez, au boulot. Non, déjà. Alors. Déjà toi. Ici. Tu peux pas la rater cette cible, j'y crois. Allez, c'est 75%. C'est bien. Ok. Toi tu vas reculer. Ici. Ok. Toi, faut absolument que tu t'en ailles le plus loin possible. Ouais, je m'en occupe. Soutien paré. Toi, faut que tu te mettes hors de portée aussi. Il faut que tu puisses faire un dernier tir. Pour qu'il se retourne. C'est parfait. On va peut-être réussir à casser le deuxième réservoir. Je suis là. Si tu fais plus de dégâts logiquement. Le câble, on va même pouvoir retirer dedans parce que je crois qu'il se retourne pas. Deuxième réservoir détruit. Non, c'est bon. On va pouvoir leur mettre un.
comme ça il va approcher par ici. Toi, tu vas soigner lui, très bien, bonne idée. On va soigner ça. Les larves sont là. Tu t'arrêtes. Super. Attention, le Brumac est dans la zone d'impact. Je vais être un petit peu loin, mais il faut absolument qu'ils réussissent à prendre leur tir. Bon, puis l'émergence, on va l'oublier, on va se focaliser sur le Brumac là, parce que sinon on va y passer, passer notre vie. C'est l'heure du massacre. Alors on commence par toi. T'avances de 2 au maximum, parce que j'aimerais qu'il se retourne. C'est parti. Et qu'il vienne vers toi à la fin du tour. Allez. C'est bien, gros dégâts. C'est le moment! Balancez tout ce que vous avez! Toi, sors de cette zone d'impact, s'il te plaît. 100%, 20% de chance de critique, 300 points de dégâts. J'écoute! Et lui, c'est. Bien reçu! 100%, 20%, 460, 300 points de dégâts. Donc c'est clairement elle. Hein. Ouais. Mais elle est pas en bonne position, elle. Le critique, c'est 300. Hein. Ça vaut le coup. Il a claqué un PA pour ça. Là, il tire une fois, il se retourne. Lui, il a plus de points d'action. Okay. Lui, il avance de... De 1. J'y vais. Elle attire, il tire, lui il tire. Ça vaut le coup. Je tire au pistolet. Putain. Okay. Mais qu'est-ce que je suis bête des fois. Allez, 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 quasiment au bout là. Je suis à 7. Ouais. Mon flingue est à 7. Allez, s'il pouvait avancer dans cette direction là, ce serait parfait. Je les attends. Ça, on s'en fout. Appuie. Sur la fin s'il faut, c'est pas l'essentiel. Ok, écartez-vous. Ok, pas de coup de pied, y'a pas eu de coup de pied, c'est parfait. Une là, une sourcide. Parfait. C'est impeccable. Par contre, j'ai pas le choix pour lâcher maintenant. Alors, on va croiser fortement les doigts. Toi, t'avances un tout petit peu. Et tu prends le tir. Tu prends ton sniper. T'es à combien là? Ça c'est quoi? 100%. Allez. Faut que je recharge. Retourne-toi. Et toi on va dire que c'est... Vas-y recharge. Je recharge. On va dire que c'est Sid qui t'achève. Ouais, le héros, allez. Ah non, le héros il pourra pas. On va au pistolet. On va chercher au pistolet. Parfait. Eh bien, ça aurait été laborieux.
Donc on a trouvé une crosse de vigilance légendaire, c'est compétence passive patrouille, et on a trois caisses rares. Très bien. Succès déverrouillé, plus ils sont grands, plus dure est la chute. Vous avez vaincu le Brumac. Allez, petite cinématique. Diaz, il est tard. Je viens de voir Ukon se faire ouvrir le crâne. Et se relever d'un seul coup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que vous ne m'avez pas dit? Vos ordres sont de le tuer, pas d'écrire sa biographie. Vous m'avez déjà fait le coup. Vous gardez des secrets et des gens se font tuer. Et des fois, les secrets peuvent sauver des vies. Faites votre boulot. On arrive à l'acte 2, donc, deux semaines plus tard. Bon. Vous vous demandez tous pourquoi on a fui le combat. Franchement, on n'est pas encore prêt. Ce Brumac, c'était juste une larve. Notre ennemi en a tout un zoo, des trucs dont on n'a même pas idée. Pour l'instant, on n'a que notre courage. C'est pour ça que votre entraînement sur le tas commence aujourd'hui. Écoutez, ça me plaît pas plus qu'à vous. Mais s'il y a bien une chose dont la CGU est capable, c'est de former des soldats, vous le savez. Alors, on va faire comme ils disent, et ensuite on bottera le cul d'Ukon une bonne fois pour toutes. Je vais superviser un groupe moi-même. Le Major Redburn prendra le relais plus tard. Je suis ravi. Allez, c'est l'heure d'aller buter de la larve. Ok. Promotion reçue pour Sid qui passe niveau 4, Crit qui passe niveau 3 et Gabe qui passe niveau 4. Allez. Taille de l'escouade vient de passer à 7 troupes de façon permanente, donc ça veut dire qu'on va pouvoir recruter les troupes. Donc déjà on va voir nos caisses. La première, dégâts 40%, long shot, donc ça va être contre le fusil à pompe, je pense. Armure de CGU, auto-réparation et santé plus 20. Armure de la CGU, résilience, cette unité gagne 10% de santé max et santé plus 13. Donc plus 13, plus 10%. Donc ça tanque un petit peu. Ok, on fera tout ça la prochaine fois. Bon, allez, on va mettre la lunette sur l'amélioration ici. Donc 40% de dégâts critiques. Donc elle a quand même la compétence qui fait les dégâts critiques quand elle souhaite. Lui il a rien, lui on peut lui mettre patrouille, le tir de vigilance de cette unité inflige 30% de dégâts en plus, elle recharge également automatiquement pendant la vigilance, et ça c'est chouette. Donc les compétences elles ont aussi une fonction légendaire, puisque là il avait déjà patrouille mais ça faisait que 15% de dégâts, il rechargeait pas, alors que là il recharge, donc ça c'est très bien. On va du coup donner à Crit la patrouille qu'avait Gabe. Marcel, elle a rien. Tyrone, il a rien. Lui non plus. Alors du coup, on avait le casque. Le casque faisait beaucoup de points de vie. Lui, il a déjà un casque qui lui donne de la santé, mais rayon d'explosion. Ça, j'aimerais bien qu'il garde rayon d'explosion. J'aimerais bien que quelqu'un ait des points de vie en plus. Qui ça? Quelqu'un qui tombe souvent au sol, qui meurt régulièrement. Allez. Comme ça, elle va quand même avoir pas mal de santé. Puisqu'elle passe à 581 de santé, ça en fait un sniper tank, c'est original comme concept. Et donc on avait trouvé des bots aussi. Mais elle a déjà des bots. Ah non, là j'en ai encore défaut. Et ben on va lui donner du déplacement. Parce que là, beaucoup de santé, c'est peut-être pas la peine d'en donner plus. Et la santé, on va peut-être la donner à Crit par contre. Ah, il a déjà 30 Emma Stock, donc c'est pas le plus intéressant. Elle avait 15 Emma Stock. Donc on va peut-être lui donner celle-là.
20 et au début de son tour, elle gagne 10% de santé max. C'est la suite des dégâts. C'est plutôt pas mal. Donc ces bottes-là, on va les donner à quelqu'un d'autre. À elle, par exemple, à Adela, qui est toujours niveau 2. Il va falloir que je les embarque, les deux dernières troupes. Hein. Parce qu'on va en recruter deux autres en plus, donc il va pas falloir... Il va falloir trop attendre avant de les prendre, sinon ils vont être ils vont pas être bons au niveau du level, ils vont être trop loin des autres. Donc crit son arbre de compétences. Soigne tous les alliés, c'est pas mal ça. Après la régène, je m'en sers pas assez je pense, parce que c'est quand même super chouette. Ça nous a quand même sauvé la vie plusieurs fois. Non, pas ça, non. Allez, on va faire un soin. C'est quoi ça? Cette unité gagne un PA. Ah ouais. Donc, on va quand même faire un soin plus collectif. Sid. Donc, Sid est niveau 4, il a commencé à débloquer des choses intéressantes, je pense. Régénération d'escouade, les effets des compétences régénération de cette unité s'appliquent à tous les alliés dans un rayon de 5 mètres. 5 mètres, c'est pas énorme. Mais ça mène à un accroupissement niveau 2, donc je m'en sers pas beaucoup. Les alliés à terre dans un rayon de 10 mètres sont réanimés, les alliés dans un rayon de 10 mètres gagnent 50% de réduction de dégâts jusqu'au début du prochain tour. Ça commence à être pas mal par contre. Et là, ça mène à ralliement niveau 2. C'est pareil, je m'en sers pas. Il faut vraiment qu'ils soient au cœur de la mêlée en fait, enfin, au cœur du groupe. Et c'est pas comme ça que je le joue. Ça, c'est pour achever les gens, c'est pas mal. Ça peut nous sauver la vie aussi. Hein. La provocation, ça peut nous sauver la vie. On va quand même prendre ça pour qu'il soigne un petit peu plus. Et puis on va prendre l'intimidation. Bon, Gabe, on va lui donner le spray au niveau 2 pour qu'il soigne un peu plus fort. Et soit le spray niveau 3, ça rétablissement au niveau 2. Soit une cible alliée à hauteur de 150 points de santé à la fin de votre tour pendant 3 tours. Voilà, ça commence à devenir vraiment, vraiment intéressant. 250 points de santé ou les ranime si elle est à terre. Ah, ça ranime si elle est à terre. Ah ouais, donc ça commence à devenir bien aussi. Allez. Ok, on a tout fait. Donc, la prochaine fois, on va faire une nouvelle mission. La première mission de l'acte 2. Qui est, on fait le plein. Il faudra contrôler deux zones de contrôle pendant au moins deux tours d'affilée. Donc on avait déjà fait une mission de ce type. On partira sans Sid Bradburn et sans Mikayala. Mais avec Gabe Diaz... et trois autres personnes. On fera le recrutement la prochaine VOD aussi. Réalisant l'ampleur de la menace que fait peser Ukon, le convoi est parti pour Vasgar afin de se réapprovisionner et de faire le point sur la situation. Il va falloir mettre les bouchées doubles. Très bien, et bien on verra ça dans la prochaine VOD. Merci beaucoup d'avoir suivi cette VOD jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.